dans la ville encore endormie, ci et là quelques femmes en bronze. Jeunes, belles, délicates, troublantes. Toujours la même. Le temps d'un été, la ville de Beaune accueillait les statues de René Julien. C'était en 2008. De manière quasi obsessionnelle, le monde de René Julien est peuplé de jeunes femmes. Presque toutes chantent Valérie, sa fille. Elle est jolie, Valérie, au cerceau. J'ai tellement vu jouer avec des cerceaux dans la cour. Sur la pointe des pieds, parce qu'on ne marche pas, on vole quand on a cet âge-là. C'est le mouvement, ça, oui. C'est la pointe des pieds, c'est rien que ça. C'est l'équilibre, la mobilité avec le cerceau, parce qu'un cerceau, c'est... Ça doit être mobile, ça doit tourner. Donc, voilà, c'est l'élan de la jeunesse. Et puis c'est léger, il n'y a pas de poids, donc on n'a pas besoin de forcer. Ça se maintient, c'est tout. On ne poigne pas dedans, on caresse. René Julien est un poète. Bien souvent, son œuvre se cristallise autour du mouvement, ou plutôt de son ébauche. Fragilité de l'instant. Dans la cour du plus grand hôtel de la ville, une jeune femme réclame le silence. Seul l'oiseau ose prendre la parole. Ah, les oiseaux, ce sont ses compagnons, hein. C'est quand même très symbolique du mouvement statique. Parce que normalement, ils ne peuvent pas être là, ils devraient partir. Donc, c'est une grâce particulière. Et c'est pour ça qu'elle est très prudente et qu'elle demande à son environnement de ne pas faire de bruit. Des moments de grâce, une perfection troublante et sensuelle, comme autant d'instantanés qui ne sont déjà plus que le souvenir du mouvement lui-même. Au départ, alors que je fais beaucoup de mouvements, je voulais faire une œuvre très discrète, dont la pesanteur était son silence, et sa grâce aussi, son silence. Elle obtient comme ça une réserve qui fait que sa petite main, là, s'est présentée toute seule. Je n'y suis pour rien. C'est venu comme ça, aussi simplement que ça. C'est ça, c'est l'éloge du silence. D'autres dames se prélassent sous le soleil de Provence. C'est ici que le sculpteur d'origine liégeoise s'est installé voici près de 30 ans, en bordure de Cavaillon, à Châteauvert. Un curieux château restauré par Viollet-le-Duc et dont il est tombé amoureux. Il reste l'un des rares sculpteurs, et il en est fier, à perpétuer le travail à la cire perdue. Méthode exigeante qui lui permet d'affiner ses corps dans les moindres détails, anxieusement, amoureusement. À l'étage, plusieurs dizaines d'œuvres s'exposent. Toutes racontent une histoire. Nous sommes ici au cœur même de l'univers de René Julien. Un univers fait de légèreté, d'amour, de pitrerie, de femmes qui s'envolent, d'amants heureux et virevoltants. Autant de scénettes où les personnages
défie la pesanteur. Un univers où l'envie de voler est tellement forte que parfois elle devient réalité. Un univers où l'amour, à son tour, devient oiseau. Il y a chez René comme l'envie d'ériger la légèreté en principe créatif, de dépasser la lourdeur du bronze. Je voulais qu'il marche, voilà. Parce que faire un couple qui s'embrasse de façon statique, j'en ai déjà fait beaucoup. Donc là, ils avancent. Mais la préoccupation importante, c'est là. C'est là. Il va lui faire un bisou, je ne sais pas moi ce qu'il va lui faire, mais en tout cas, il se prépare à le faire. Et donc, il fallait une concentration ici. C'est pour ça que j'ai apporté cette main-là, qui te caresse quand même un petit peu. C'est de la sculpture, donc c'est de l'occupation de l'espace. Nourrir cet espace-là, et le distraire un tout petit peu, l'alléger un petit peu de l'intensité qui se passe là. Et créer le mystère, parce que si tu vois vraiment là, tu vois l'autre oreille, tu vois qui va l'embrasser, mais alors c'est fini, il n'y a plus de mystère. Et si tu rajoutes ça, les gens, ils doivent un peu chercher, tu vois, ça. Et ça, c'est l'intérêt. Mais c'est de la mise en scène, finalement. C'est de la mise en scène. Ah, c'est de la mise en scène du volume. Ah oui, ça, il n'y a pas d'autre. Hein. Il faut que ce soit des doigts qui soient comme des caresses, et délicatement, très, très, très délicatement. Il est de son temps et de tous les temps, transformant l'acquis du passé en une manière toute personnelle de mettre en scène sentiments et émotions. Elle fait pipi et je trouve que c'est une attitude merveilleuse, bien qu'on ait des difficultés à découvrir les femmes qui pissent, parce qu'elles se cachent toujours très loin. En sculpture, c'est l'extase du volume. Il faut essayer d'y introduire je dirais le soulagement, le bonheur de faire pipi quand on a besoin de faire pipi, et puis en même temps, une inquiétude d'être surprise. Et puis il y a le visage, elle regarde au loin, elle guette, parce qu'elle est dans un bosquet là, et on ne sait jamais, n'est-ce pas? Donc, elle est vraiment, c'est plus là, l'inquiétude, et là. Le corps, lui, il est serein, il est en train de bien se soulager, il est serein. C'est très serein, ça. Ça va, c'est solide, c'est serein. C'est tout le torse, et les bras. Ça parle beaucoup, les mains, ça parle beaucoup. Enfin, moi, je les adore. Au fond, celle-là, elle fait balancier, hein. Elle fait balancier à la gravité de la position. Et puis, elle est vraiment prête elle, à s'appuyer sur n'importe quoi pour se mettre debout, se mettre en dignité, quoi. Hein. Et l'autre main-là, elle a aussi un peu d'inquiétude, quand même, hein. D'inquiétude. Mais le corps, lui, s'apaise. D'abord, je suis un type qui adore l'anatomie. Et au Beaux-Arts, ça fait très longtemps, ça fait plus de 50, ça fait 55 ans, au Beaux-Arts, nous avions à l'époque des cours d'anatomie. Et le professeur d'anatomie était un professeur qui... Il était aussi valable, si pas plus, que ton professeur de dessin. Parce qu'il te faisait sentir ce qui se passe à l'intérieur. Actuellement, on a supprimé aux Beaux-Arts les cours d'anatomie. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'abstraction. L'atelier est son royaume et il le quitte difficilement. Sauf pour prendre le chemin de la fonderie, situé à une centaine de kilomètres, à Crest, dans la Drôme. Alors, oh.
Thomas. C'est un plaisir de voir. Moi aussi. Quelle nouvelle. Ça va bien, René? Ça va bien, maintenant. Ça va? Bien, ouais. Oh, ouais, elle est magnifique. Superbe. Viens voir, regarde. Monique, son épouse, l'accompagne. Superbe. Aurélien. À ce stade du travail, le sculpteur ne peut guère intervenir. C'est l'affaire des fondeurs maintenant, la troisième main du sculpteur. Ça, c'est le chef d'atelier. Je te vends plein bonheur. Oui, mais c'est un peu chez moi. Hein. Je me coupe tellement cher. C'est un peu chez toi. Et puis, si je te sens heureux ici, c'est parce que tout à coup, de la sculpture prend véritablement voilà, sa forme. Oui, sa ben forme oui. Définitive. Oui, et c'est vrai que c'est... La concrétisation de plein d'inquiétudes. Hein. Étape importante, fondamentale. C'est ici que René concrétise ses ambitions et que le bronze, métal noble par excellence, se substitue à la cire, matériau fragile et éphémère. Là, on sort les moules à 400 degrés. Et on va couler le métal, qui est le métal, lui, est à 1180. Mystère de la matière en fusion. L'énergie à l'état premier. Tandis que le métal en fusion épouse les formes imaginées par le sculpteur, ce n'est pas sans un léger pincement au cœur que celui-ci assiste à la violente transformation de son œuvre. Aux 180 degrés, hein, les socles sont à 400 degrés, et ils font ça comme si ils buvaient une tasse de thé, eux. Hein. Non, mais c'est vrai, hein. C'est une merveille, hein. C'est ça pour l'éternité. Oui. Moi, je suis complètement sidéré. C'est vraiment inaltérable, ça. C'est un matériau. C'est fabuleux, fabuleux. Revêtu de sa nouvelle peau, l'œuvre s'apprête à affronter le temps. Pratiquement indestructible, le bronze lui ouvre les portes de l'immortalité. Fol orgueil de son créateur. Après quelques longues minutes d'attente, les membres encore fumants d'une sculpture de petite taille sortent enfin de leur gang. Naissance. Je suis toujours inquiet, tu sais. Je suis très, très inquiet, parce que je vais dire comme ça, mais je suis très inquiet. Et même quand elles sortent de fonderie, que la patine est faite, etc., il me faut encore quand même quelques temps pour l'accepter. Parce que tu espères toujours que ce sera mieux que ce n'est. Et c'est toi qui l'as fait, si tu veux. Demande ce que je raconte, hein. T'as bien raison. Moi, j'aimerais bien leur prendre dans mes bras, mais c'est un peu lourd. Un jardin en Provence. Nous sommes chez Jacques Salomé, psychosociologue, écrivain, conférencier, formateur, mais aussi planteur d'arbres. Il en a planté plus de 700 et grand amoureux des sculptures qu'il cultive avec goût.
sous le regard attendri d'un olivier vieux de 500 ans, des jeux d'enfants imaginés par René Julien. Je suis amoureux des sculptures, parce que le propre d'une sculpture, c'est de capter la lumière, et c'est comme ça que je vois, et d'agrandir l'espace qu'il y a autour, de lui donner du sens. C'était l'occasion d'une exposition, et j'ai vu cette sculpture-là, et tout de suite, j'ai été emballé, je suis allé vers lui, je lui ai demandé si j'allais être obligé de manger des nouilles pendant 3 ans. Et voilà, et puis j'ai acquis cette sculpture et nous sommes devenus amis. Nous sommes devenus amis parce que c'est je crois, quelqu'un de chaleureux, d'incroyablement vivant. En même temps, je sens une fragilité en lui et ça me rejoint beaucoup. Je trouve que sa créativité pour dire la femme, et moi j'aime les femmes, donc tout son univers de sculpteur, c'est autour de la femme. Et la densité, l'intensité, la sensualité aussi qu'il peut y avoir dans ses sculptures, qui n'apparaissent pas nécessairement dans celle-là. Celle-là, c'est ludique. Il y a une sorte de joie, d'explosion de vitalité. Ça aussi, j'aime beaucoup. La vitalité qu'il y a chez cet homme. Alors, mon grand... Ami commun et voisin provençal, Jacques Salomé projette d'écrire un livre où il formulera ses impressions face au monde des statues de René Julien. Comment vas-tu ? La route épouvantable, j'étais déjà un peu en retard. Bon, je me dis, ils vont boire sur moi ce qui est insupportable. Regarde, c'est ici. Voilà tes enfants. Magnifique, magnifique. Magnifique, ça me fait plaisir de la revoir. Elle vieillit bien, non hein ? Elle vieillit bien, elle est toujours dansante. Oui. Franchement, tu peux pas mieux la mettre, hein. Ça, regarde cet olivier qui est aussi une sculpture. Ça derrière, qui est magnifique, magnifique. Elle m'accueille quand je voyage beaucoup, donc chaque fois que je rentre, j'ouvre la porte et elle est dans mon regard, voilà. Un ami qui était venu sculpter un bloc de pierre, et ma fille Clara s'est approchée de lui, elle avait 8 ans. Elle lui a dit, comment tu savais qu'il y avait une femme dans la pierre ? Elle était en état comme ça d'étonnement et d'émerveillement. Comment tu savais qu'il y avait une femme dans la pierre ? C'est merveilleux. Oui. J'ai des personnes qui me disent, « Ah, vous taillez un bloc ?» Je dis, « Non, je commence par les pieds, moi, les jambes, et puis ça... » Ah bon C'est une création particulière, la cire. La cire, c'est très particulier. Les gens, l'image de Rodin, qui taillait... Oui, oui, c'est tout... Qui s'affrontait au granit. Oui. Symbolique du burin. Et ici, c'est le contraire, évidemment. C'est dans la fluidité des doigts. Oui, et puis là. Oui. C'est une synthèse pour moi de la sculpture, parce qu'il y a le mouvement, l'envol, l'élan, la projection dans l'avenir. Chacun d'entre nous, en voyant cette sculpture, a un imaginaire différent, et donc va laisser vagabonder comme ça, que ce soit son inconscient ou simplement son imaginaire, dans différentes directions. Pour moi, c'est vraiment une synthèse de ce que peut apporter la sculpture à quelqu'un qui aime le beau, qui aime la vie. L'envol, sœur aînée du saut de mouton. Quai Van Beneden à Liège, en bord de Meuse, symbole du lien entre les deux rives. Il suffit d'un jeu de saut de mouton pour passer de l'autre côté du fleuve et rapprocher ce qui est séparé. C'est son œuvre la plus grande. Elle fait 5,50 m. À quelques kilomètres, de l'autre côté du fleuve, Ologne-aux-Pierres, une ancienne cité ouvrière qu'il a vue naître et qu'il quitta à l'âge de 20 ans. Il n'y était jamais revenu. Ah, le colombophile a disparu et les grands pigeonniers qui étaient là au-dessus aussi. Il aurait dû disparaître pendant mon enfance, on aurait pu jouer le samedi matin, le dimanche dans la rue.
nous a fait souffrir. Incroyable. Ému, impressionné, c'est fou, ça. Il reste planté là, n'ose pas sonner. Une porte s'ouvre. Bonjour, madame. Et c'est tout un pan de sa vie qui, brutalement, lui saute à la figure. Vous étiez la voisine deux, trois maisons plus bas. Oui. Et vous occupez la maison où je suis né. Je sais qu'ici, c'était la table, hein, comme là, et que je suis né sur cette table. Et j'ai toujours la table. C'est pratiquement la seule chose que j'ai gardée, parce que c'était impossible. Je ne pouvais pas, quand j'ai appris plus tard que j'étais né sur cette table... Je dis, ça, c'est vraiment mon seul héritage, mais il est magnifique. Quoi. Ouais, c'est vrai, et là, c'était le magasin. Une petite épicerie de rien du tout. Hein. Ouais. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute, c'est tout à fait différent. Oui, parce que nous avions un chantier ici. Et alors, c'était jusqu'au fond des pommes de terre, des carottes et des choses comme ça. Dans le jardin, on ne jouait pas. Hein. Ah, on ne jouait pas dans le jardin. J'allais ramasser le crottin du cheval du laitier. Et on mettait sur les pommes de terre, tu comprends? Voilà, on ne jouait pas dans le jardin. Je m'assieds 30 secondes dans mon ancien jardin. Ça n'a jamais été le cas. C'est charmant, c'est sympathique comme tout, très émouvant. Oh là 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 là. Et là se trouvaient les gigantesques pigeonniers, aussi grands que le rez-de-chaussée, là, comme ça. C'était fou. Maintenant, je regrette qu'ils soient partis, tiens. Mon père, qui était ouvrier d'usine, chez René de Malzine à Sclessin, il était tailleur d'engrenage. D'ailleurs, il est mort à 57 ans, et j'avais 17 ans, presque, et il n'avait plus que trois doigts. Sur 10, il en avait perdu pas mal. Hein. Et ça, je l'ai vu pleurer en rentrant. Et puis quand il rentrait avec des pansements, ma mère avait compris, il avait encore perdu un doigt. Parce que l'ingénieur venait, ça frottait un peu quelque part. Et c'est lui qui devait mettre son doigt. T'imagines, enfin, on se croirait dans la préhistoire. C'est invraisemblable. Et j'avais dit à mon père, moi, je veux dessiner. Et ce qui est assez extraordinaire, parce que... Quand même, il n'avait aucune culture. Et admettre que je puisse espérer gagner ma vie en dessinant, c'est quelque chose que je ne sais pas si mes enfants avaient fait le même choc, si j'aurais réagi aussi bien que mon père. Et puis j'ai été m'inscrire aux Beaux-Arts. Évidemment, j'avais 13 ans et on m'a mis dehors poliment. J'étais très impressionné, les Beaux-Arts alliés, c'était une très belle académie, c'est toujours une très belle académie, et il y avait devant moi la victoire de Samothrace, grandeur nature. Et moi j'ai commencé à pleurer, j'avais craqué, et j'étais appuyé sur le socle et je pleurais. Et puis il y a un monsieur qui est venu, qu'est-ce qu'il y a, jeune homme, il était déjà bien gentil de m'appeler jeune homme, et je dis, écoutez, on veut pas m'inscrire. Mais quel âge as-tu? Je dis, j'ai 13 ans. Oh, il dit, t'es trop jeune, c'est pas possible. Je dis, oui, on m'a mis dehors, carrément. Hein, et on m'a dit de faire les moyennes et l'Athénée. Ça, j'avais vraiment pas du tout envie de faire. Je dis, moi, je voulais dessiner, etc. Et alors, ce monsieur, qui était un très beau monsieur, grand, mince, qui s'appelle d'ailleurs, il est très connu, c'était le seul peintre futuriste belge, pratiquement, Fernand Stevens, il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Tu vas à l'école de peinture en bâtiment. Parce qu'il dit, ici, on va t'apprendre l'art, le goût, mais on ne t'apprendra pas les techniques. Bon, moi, j'étais à l'école de peinture, en bâtiment, rue Ferron-Strialier. C'était déjà plus sympathique que les moyennes et l'Athénée pour moi, mais j'ai fait du faux bois. J'avais une grande habileté, j'ai fait du faux marbre assez rapidement. Je suis sorti très brillamment de la première année. J'avais 14 ans. Je me suis dit, je vais quand même me représenter au Beaux-Arts. Le secrétaire, toujours le même, m'a reconnu, il m'a dit
Est-ce que vous n'êtes pas venu l'an dernier? Je dis, mais voilà, j'ai fait du faux marbre. Moi, je sors avec presque la plus grande 10, mais j'en ai. Et puis à ce moment-là, on sonne. On frappe à la porte. Et que, qui je vois entrer, les hasards de la vie, qui je vois entrer? Le professeur qui m'avait conseillé d'aller faire Nicolas. Je dis, c'est lui. Il avait des cheveux blancs, bien blancs, coupés tout droit, comme ça. Il était vraiment reconnaissable parmi mille. Je dis, mais c'est lui qui m'a conseillé. Et puis on regardait, quand t'as été un grand de matière en bâtiment, tu te souvenais de ça? Je dis oui. Je dis regardez. Je dis je veux dessiner. Alors le prof, il a quand même autorité sur le secrétaire, ce qui est évidemment magnifique pour moi. Il a dit tu changes la date de naissance. Regardez-moi, professeur, je veux m'en faire ça, etc. Il change la date de naissance. Je m'occupe de lui, je le prends maintenant donc. Et je suis sorti du bureau et j'étais introduit dans sa classe. Évidemment, il avait 14 ans, tous les autres en avaient 20, 21, parce qu'ils avaient raté un an ou deux à la télé. Donc j'étais le petit gamin. Mais enfin, comme ça, j'ai pu continuer. Et quelques années après, quand mon père est mort, c'est lui qui est venu. Mes amis étudiants et étudiantes sont venus à l'enterrement de mon père. Et puis ma mère dit, je ne sais pas, il ne saurait plus continuer. Alors à ce moment-là, il a dit à ma mère, mais ne vous souciez pas, moi je le prends chez moi, et je vais lui payer, loger, blanchi, nourri. Ma mère, on ne sait pas comment elle s'appelait quand on lui a dit ça. Il dit, mais il doit continuer ses études, parce qu'il travaille très bien, il en veut. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fini les Beaux-Arts. Le même homme dans la vie qu'on rencontre comme ça, le hasard incroyable, on pleure sur la victoire de Samothrace, on vient se représenter un an après, il fait changer la date, et puis il devient mon père adoptif. C'est fou, hein? Merveilleux. Donc, on ne fait pas tout seul, hein? On a besoin des autres. Hein? On a besoin des autres. Incroyable. Le siège majeur de l'expression qu'est le regard n'est que fixité. Les dames de René Julien nous interrogent de leur regard étonné. Une interrogation jamais satisfaite. Tu ne travailles jamais avec des modèles? Jamais. Jamais. Ça me paralyse vraiment. Oui. Parce que j'ai, de sympathiques notions d'anatomie, et pourtant tout est difforme. Et ici, le fait de bien la connaître, c'est plein de déformations. Donc ça n'en aperçoit pas. Mais c'est dans la rythmique alors que ça passe bien. C'est dans la forme globale. J'avais envie de jouer sur l'espace, comme ça, avec la détente totale des jambes. C'est quand même, pour finir, assez rare, ces positions-là en sculpture. Parce qu'on a une tendance toujours à regrouper un peu. Hein. On tourne volontiers autour et il n'y a pas d'axe principal, pas de... ça se passe. Moi, je trouve que ça se passe bien. Elle est confortable. Et puis, il y a les pigeons que, dans une grande stabilité comme ça, amène une activité. Un pigeon, ça s'anime bien, ça se tourne, ça se tord, ça pousse les ailes de toutes les façons, ça se dépousse n'importe où, comme ça. C'est curieux, ça regarde. Il y a une belle mobilité là-dedans. Je sais pas, moi, j'aime bien ça. Que je serais sans ces pigeons, je la sortirais moins bien. Parfait.
c'est bon. Ah, c'est bon. Impeccable. Ah, nickel. Nickel. Voilà, super. J'ai envie d'émettre ce que je sens. Hein. Oui. Voilà. Et tu sais, mais tu sens, mais t'es pas toujours juste non plus. Et tu comprends? Donc, si tu n'as pas de doute, tu es un merdeur. T'es un merdeur, tu peux faire n'importe quoi si t'as pas de doute. C'est ça le plaisir, hein, c'est de vaincre. Hein. Enfin, c'est uniquement du boulot, quoi. Hein. Du boulot, de l'étudier, de ne pas trop dormir, d'aller la voir à 3h du matin, d'aller se recoucher 2h. C'est ça. Hein. Et c'est tout des trucs comme ça tout le temps. Mais si tu n'avais pas ça, tu t'emmerderais. Donc il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut aller jusqu'au bout, quoi. Tu la trouves réaliste? Non, je la trouve idéaliste. Elle n'a rien de réaliste, pour finir. On ment tout le temps, quoi, si tu veux. Tout à fait. On ment tout le temps, même anatomiquement, on ment. Mais ton mensonge, c'est ton imaginaire. Mon mensonge, oui, c'est... Oui. Ça, c'est clair. Ouais. Mais si tu mens bien, ça paraît juste. Ah, comme ça, elle est impeccable. Ah ouais, impeccable. Insouciante, tout entière offerte au plaisir de l'instant, quelques très jeunes femmes se prélassent, bavardent, exposent leur corps au soleil. Disposées le long des bâtiments des communautés européennes, certaines sont chaussées des traditionnelles sandalettes, d'autres sont pieds nus. Une manière pour ces demoiselles d'accueillir au cœur de la capitale de l'Europe les plus grands chefs d'État de la planète. Un clin d'œil, une audace singulière dans une des artères les plus fréquentées de Bruxelles. Un peu de grâce espiègle face au désordre urbain. Une sculpture, c'est un élan immobile capable d'ensorceler l'instant, nous confiait son ami Jacques Salomé. Plusieurs lieux de la capitale belge sont ainsi ensorcelés par cet homme. Plus d'une quinzaine. Le château de la Hulpe. Un château de musique et un parc admirable. Il y a une dizaine d'années, René et Monique Julien fêtaient ici le mariage de leur fille, Valérie. Quelques sculptures étaient exposées à cette occasion. L'une d'elles est restée. Mais il y en avait partout, j'en avais mis une dizaine de grandes sculptures. Sur les marches, oui. Ah oui, c'était ma fille qui se mariait. Donc je dis, je vais faire une fleur à ma fille, on ne va rien dire, on va mettre des sculptures comme ça. Il faut dire, c'est un magnifique cadre, hein. C'est d'une grande sérénité et tout. Ma fille était très émue. Nous aussi, mais elle, c'était par la présence des sculptures, par la présence des invités, mais surtout quand elle est arrivée et qu'elle a vu les sculptures, ça c'est vrai aussi. Et puis c'était quand même son jour de mariage, hein. Elle y a peut-être passé 5 minutes, elle a eu de l'émotion, mais il y avait le reste quand même. Il faut rappeler à César qui appartient à César, elle se mariait quand même. Et puis c'était toutes des Valérie. Et puis c'était en grande partie des Valérie, oui, oui, c'était en grande partie des Valérie. Grande exposition dans les Galeries de la Reine à Bruxelles, une des plus belles galeries d'Europe. Et un décor 18e qui semble avoir été conçu pour les œuvres exposées. Il y a des terrasses. Ultime visite avant le vernissage. Il y a combien d'œuvres comme ça qui circulent? Dans les différentes galeries françaises, belges, enfin même italiennes, il y a à peu près 300-350 pièces. Ah oui, le souffle de rêve, c'est bien. C'est très sympathiquement fait, hein. Bon, c'est bien. C'est gai de les voir dans un cadre qui n'est pas
qui n'est pas nécessairement une galerie d'art, de les voir dans le public. Elles n'ont pas l'air dérangées par le public. Moi, le public, il me ferait un peu fuir, mais effectivement, les sculptures ne vont pas bouger pour ça. Ah, ils sont toujours en train de les placer, là, comme je vois, oui. C'est... On sera fin prêt pour 6h30. Allez, courage, courage. Il n'y a plus que 2-3 heures. Ça, c'est ma dernière peinture, en 83, le portrait de ma fille. Celle-là, je ne l'ai jamais vendue, quoi. C'était ma dernière toile, c'est 83, voilà. Le 83, ça fait quand même quelques années, on est en 2009, et de l'avoir avec mes nouvelles sculptures, quoi. Ça fait plaisir au papa et aux sculpteurs. C'est une toile où moi, j'ai senti... Il avait 13 ans, hein? Mais tu sens déjà qu'elle ne t'appartient plus comme quand elle a 9 ans ou 10 ans, tu vois? Bon. Et au fond, je l'avais placée dans un couloir doré. Elle est avec la bougie là, juste là, au pubis. Ça commence un petit peu à travailler. Elle a à ses pieds des clés. Elle n'a pas les serrures. Elle a la rose des vents. Elle cherche où elle va aller. Elle a déjà préparé sa valise. Elle aimait bien la musique. Elle a préparé son violon. Elle garde quand même le plaisir des jeux de l'enfance, ou du jeu de dames, etc. C'est une femme. Elle va féconder un jour. Elle ne va pas oublier ni son père avec le cintre, ni... sa mère avec le foulard. Toute cette charge symbolique faisait un peu peur à ma femme, faut reconnaître. Mais moi, j'adore cette toile, et d'ailleurs, je l'ai pratiquement jamais exposée que chez moi. Je l'ai jamais montrée, et je ne la vendrai jamais, quoi. D'ailleurs, ce qui est très étrange, hein, Gérard, c'est que quand tu vois ça, c'est fait en 83, ça, c'est fait en 2009, et c'est les mêmes tons, hein. C'est incroyable, ça, hein. Si on regarde ça et qu'on regarde cette toile-là, c'est pas possible que je ne sois pas le père des deux, hein. Ça, c'est... Au centre de ses préoccupations, un seul motif, sans cesse répété, sans cesse renouvelé. On est loin de Cavaillon ici, hein? Oui, on est très loin de Cavaillon. Il y a beaucoup plus de bruit, hein? Beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de monde. C'est effrayant, tout ça. Pourtant, c'est quand même une très belle ville, hein, mais quand on est habitué à la solitude de l'atelier, quand même, on en a grand besoin tout de suite, très rapidement, enfin, plus trop rapidement, oui. Tel le violoncelle qui fait chanter nos images, son œuvre tout entière est musique. Et c'est tout naturellement qu'il a été amené à la prendre pour sujet. Plusieurs pièces aujourd'hui abordent cette thématique nouvelle. Ainsi, cette mystérieuse jeune femme coiffée d'un large chapeau. Sa main forme une écoutille devant l'oreille et l'écoute Mozart sous le vent. Ainsi, cette jeune flûtiste, enchantée bien sûr, et toujours cette même simplicité, cette même évidence, cette même sincérité aussi. Il ne suit rien, ni personne, ni mode, ni courant. Il reste tout simplement lui-même.
On dit classique parce que c'est la figure humaine, quelque part. Mais pour moi, c'est pas classique. Non, mais pour moi, c'est pas classique. C'est René Julien. Ça fait très longtemps, quand même. Et puis, je bouge plus trop, moi. Je suis dans mon atelier, mais oui, 10 heures par jour. Oui. À Cavaillon. Valérie. C'était beaucoup plus. Et comment vous trouvez? Parce que c'est ça. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien celles qui sont dépouillées. Moi, j'ai été éliminé de pas mal de ministères de la culture parce qu'il fallait faire de l'abstrait, et en tout cas faire de la non-figuration, parce qu'on était perçus comme des ringards. Mais depuis 10-15 ans, il y a un intérêt pour certaines formes de figuration. Je pense que les ringards changent de camp. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui travaille en dehors des modes, en dehors des tendances, qui depuis 50 ans se fout pas mal de ce que font les autres. Il est passé de la peinture à la sculpture avec la même idée. J'ai mon petit truc et je le creuse. René, il aurait dû vivre à Florence au XVIe siècle. Il se serait amusé à brûler les meubles de toute la ville pour fondre une statue plus grande que celle qu'il y avait déjà. Mais la caractéristique de la sienne, ce ne serait pas un homme à cheval avec quatre pattes ou des messieurs avec des pieds gigantesques qui le ferait tenir sur un doigt. Mais il a une finesse de trait, un coup de crayon qu'on retrouve dans les sculptures. Il arrive à faire des bronzes qui sont comme des dessins à main levée. Je voudrais bien que tout soit blanc. Ouais. Hein? Le cheval, tu le fais dans les bruns et tu fais le socle dans les verts. Ouais. Phase ultime du travail en fonderie, la patine. Expert en ce domaine, Guillaume Serre, responsable de l'atelier de finition et proche collaborateur du sculpteur. Lentement, sous l'action des acides et du feu, la magie opère. René Julien ose clamer la vie, la tendresse, le bonheur. Très longtemps, la figure masculine aurait été la grande absente de son œuvre, absente de ses sculptures, absente de ses dessins et de ses peintures. Aujourd'hui, une page se tourne, ouvrant la porte à l'exploration de nouveaux enjeux imaginaires. L'homme, c'est le support de la femme. Et j'aime bien être les deux. Et plus je vieillis, plus je trouve que c'est important. L'homme est important. J'ai cru, c'est vrai, très longtemps que la femme, c'était important aussi. Mais je trouve que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la conjugaison des deux. Voilà, c'est la présence des deux. C'est quand même ce qu'on cherche tous, hein. L'harmonie, la relation. Hein. Et la relation amoureuse, c'est certainement la plus belle, même si c'est pas celle qui dure le plus longtemps. Mais c'est vraiment mon truc, c'est la relation. Donc je suis un metteur en scène d'un espoir de bonheur, voilà. Je ne peux travailler que dans la condition d'espoir du meilleur. Une sculpture que j'ai faite comme ça, où il y a une combinaison des deux, c'est la connivence. C'est un couple qui est face à face,
mais calme comme ça. Et alors là, il y a une forme d'intensité dans la tranquillité, parce qu'il se touche le front et il y a une connivence tout, complètement passive. Mais j'ai un peu peur de la faire en grand, parce qu'en petit, ça passe très très bien. Il y a un sentiment terrible, et je ne sais pas si en grand, j'arriverai à mettre autant de sentiments dans les deux touchés du front, quoi. Je veux encore avoir 2 ans d'expérience de plus pour me risquer à la faire en grand, voilà. Le souffle du rêve. Il suffirait de peu, pourtant, pour que le rêve se brise. Sous l'apparente douceur de ces jeunes femmes, sous leur perfection troublante et sensuelle, s'insinue sournoisement quelque chose de plus subtil, de plus caché, de plus profond aussi, qui serait comme l'anticipation d'une finitude inéluctable, d'un désespoir annoncé. Le souffle du rêve.